Salut tout le monde, c'est Blason, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Razor. Salut Salut la Raz. compagnie. Et on se retrouve pour une ouverture de booster. Alors comme vous le voyez, l'extension Les Murmures des Dieux très anciens est maintenant disponible. Et donc on va faire une ouverture Deux parties. en deux parties, voilà. Je vais ouvrir 60 boosters dans cette partie-là, vous voyez, il y a 130 decks, hein, et je ferai une deuxième partie après plus tard. Mais en fait, on fait ça parce que Raz vient d'ouvrir 57 boosters. Voilà, Ça a été je vous montre les plutôt stats. fructueux. Et il m'a mis en PLS, comme on dit. Alors, en 57 boosters, il a eu 14 épiques, dont 2 dorées, 4 légendaires, dont une dorée. Donc, un total de 7710 poussières. Plutôt violent, ouais. Record à battre. Ça sert à rien. Ok, c'est parti. Et bah écoutez, c'est à mon tour. Donc là, on va voir 60. Hein. Je vais marquer au fur et à mesure aussi. J'enlève les stats pour que vous voyez l'écran. Et c'est bon. Tu vois, Raz, c'est Ouais, bon? parfait, parfait, tu peux y aller. Et bon, on y va. Allez, bonne chance à toi. Merci. Il en faudra. Alors, l'animation. L'animation est sympa. Bien gore quand même. Ok. Un booster de base. Alors on explique rapidement les. Enfin, je vous montre rapidement les cartes, hein. Je ne vais pas forcément trop les expliquer, hein, mais une nouvelle ghoul hein, qui remplace l'ancienne. Force divine est pas mal. Plus 1, plus 2 en paladin, elle est vraiment pas Un petit mal. peu, pas Bon cher. bah voilà, hein, là c'est le combo c'est une, La hein, donc mécanique, c'est la mécanique assassine, ouais. exactement. Le behemoth, voilà. On va le voir souvent, je vous préviens. La carte d'arène, ouais. Et donc dépense tous vos cristaux de mana, invoque un nombre équivalent de tentacules. Voilà, ça c'est fait. Alors, je note ça vite Un fait. board, c'est Hein. pas mal. Voilà, donc un booster de chauffe, comme d'habitude, 40 poussières. C'est parti. Oh là 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 là. Ah ouais, précoce, hein, précoce le blason là. Ah là là, Alors, oh, le furie des cochon. vents, provocation rampante, force on a déjà vu. Alors, une petite rare, vous défaussez. Alors. Vous défausse d'une carte. Ah, tu l'as pas eu ça, non? Râle d'agonie, vous piochez une carte. Pas mal. Ok. Elle est pas mal. Attention. Sogoth le rampant. Peut-être la cible de ce sort de pouvoir héroïque, c'est pas mal, Elle ouais. est vraiment pas mal. Bon. Allez, Un allez. chevalier spectral XXL, quoi. Elle est Avec. mignonne. Alors, je marque ça. Voilà, ça commence bien. Pour l'instant, je suis devant toi, Raz. Ah non, même pas, t'es devant. Non, Raz est devant parce que. Alors, je vous montre tout de suite. J'avais une épique dorée d'entrée de jeu, Cet ouais. enfoiré a eu une épique dorée directe, donc il avait déjà 630 poussières. ouais, c'était l'osmose. Allez, on L'osmose combo. continue. Hop, c'est parti. Ah, tu commences fort quand même. Ouais, pas mal. Petite légendaire. Alors. Ok, un booster de base. Bon, alors, celle-là, la voleur, j'aime pas trop. Pas terrible, ouais. Face de Spépirate en poulpe. voleur. Ouais, face de poule, non mais sérieux quoi. Celle-là, très bien. Les cartes druides sont vraiment excellentes hein, pour cette extension. Alors, donne plus 4. Ouais. Soit plus 4 à votre héros, soit plus 8 d'armure. Une carte Ah. d'arène. Et la petite rare qui est le courroux vengeur qui fait mal à tout le monde. Ok, donc je marque vite fait. Ah, le face de poule qui ressemble beaucoup au David Jones d'un des Pirates des Caraïbes. Exactement, c'est vrai. Allez. Attends, on dirait que le deck il vomit quoi à chaque fois. Vomis tes carrés, vomis Ok. ta main. Booster de base, coup de tonnerre donc bof, je le trouve pas génial. Berserker, c'est un nouveau Berserker assez sympa. Alors celle-là, voilà, invoque 5 recrues de la main d'argent. Une nouvelle bête pour le chasseur bête qui va arriver en force, je pense. Et le Grizzly. Après que vous avez invoqué un serviteur, lui quoi? Vas-y, explique-moi si. À chaque fois que tu invoques un serviteur, ça buff le grizzly de plus un, je Sympa, pense. en plus une bête. Pas mal. 4-1. Dommage que le coup de tonnerre ne puisse pas cibler un héros, ça aurait pu remplacer le crépitement qui a disparu pour le chaman. Exactement, t'as raison. Et donc il est moins bien que que l'éclair aussi, je trouve. Ouais. Une rare. Une seule rare. Eh, sérieux quoi. Ah, tu sais Alors. très bien qu'après une légendaire, Ouais. c'est difficile, hein. Alors la marque d'Ishgar est vraiment sympa. Elle est vraiment pas mal. Ça c'est donc c'est une. Hein. La remplaçante du choix de Velen. Celle-là, on n'en parle même pas. Et celle-là, une c'est une hein, qui. Katoun, Katoun, je vais dire ça parce que sinon Ligas va me tuer. Donc. Voilà. Ok.
4-1, c'est noté. Ah, ouais, j'aime bien le spell du druide, ouais. C'est un peu la marque du faux, sauf que si tu pioches, il c'est une bête, donc c'est... Tout à fait. Oh, épique bien. Ok, une rare ou une épique. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses, pas mal. Ouais. Donc ça, c'est encore une situation. Ça, là, elle est forte, parce qu'avec un cercle de soins et pas mal de créatures, mais... Votre Katoun, là... C'est une ou Katoun, ouais, hein, ouais. Je dirais les deux à chaque fois. Et celle-là... Bonne bah, stat 5... en plus, hein, ouais. 3-6 pour 4. Exactement. Et celle-là, bah voilà, on prend 5 points de vie, c'est pas mal. Alors... Doré. Oh, joli. Ah, elle, elle est belle en doré, en la plus. La carte est moche, mais elle a... dorée, elle est déjà un peu mieux. Ouais, ouais. Donc dépense tous vos cristaux de mana et invoque une tentacule. Et les piques, le grimoire cabaliste que Raz a eu 8 fois. Non, 4 fois. Ouais, alors, ouais. Je note, donc ça fait 3, 1 et une rare dorée. Bah, j'étais encore devant. T'as 95 poussières d'avance. Ok, c'est bon. Allez. Booster classique. On l'a déjà vu. Catune, tentacule remuante, ouais. Inflige un point de dégâts. Ouais, elle est mignonne. Ça fait un peu le. Enfin, pas forcément, mais. Ça fait un peu comme le vol de mort. Ouais. Un point de dégâts et t'as quelque chose en plus. Et une petite carte Murloc pour 6. Hein, ça peut être marrante, mais. Bah, c'est une... un effet AOE qui est pas mal, ouais. C'est une carte fun. Je pense que là-dessus, on est d'accord. Alors, 4-1. Ensuite. Allez, une épique encore. Rare. Deux rares, ok. Deux rares, ouais. Ça, on l'a pris une dorée. Ah, ça, on l'a vu aussi. Ouais, choix de l'Hélène. L'ancien du crépuscule, donc ça, c'est de Katoun, hein, toujours. Alors, rituel interdit, ok, on l'a déjà vu. Il était en doré. Et la chose venue d'en bas. D'en bas. Ouais. On sait pas ce que c'est, mais elle vient d'en bas. Mais elle vient d'en bas, voilà, c'est ça. On va rester là-dessus. Donc, 3-2. Toujours devant. On a combien de decks là? On est à. Ok, 8 decks. Pardon. Oula, ouais, bah, voilà, c'est sûr que j'avais rien. Je les ai découverts de la mauvaise façon. Alors, Rampante, on l'a vu. Le village au possédé. Ouais. Katoun, ça, on l'a déjà vu. Et donc, celle-là, vous déposez une carte, on l'a déjà vu. Donc, ça fait 4-1. Est-ce qu'elle a des caractéristiques spéciales d'ailleurs, l'ombre bête qui était invoquée? On ne sait pas. On ne sait pas, hein. On ne sait pas ce que c'est l'ombre bête. Parce que si c'est une simple 1-1, ouais, la carte est vraiment pas terrible. Exactement, ouais. Une rare. Une rare. Oh là là là. Aïe aïe, ça fait bide. Psychotron est nul. Psychotron est nul. Fracassé peut être intéressant dans certains decks. Hein. Behemoth, on n'en parle pas. Psychotron. Et l'Emplorateur Funeste, une carte Katoun. Ouais, ouais, ouais. Et s'il est mort, le place dans votre deck, ça c'est marrant aussi. C'est assez impressionnant le nombre de créatures que j'ai achables qu'il y a hein, avec ouais, cette extension. Exactement. Une rare seulement, c'est ça. 4, 1. On en est à 10 boosters, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Petit point sur 10 boosters. Hop. Raz est en tête avec... Pff, foiré. Beaucoup de poussière d'avance. Presque 300. Okay. Ah bah ça va être difficile de faire mieux. Hein, de toute façon. Ah bah de toute façon oui hein, c'est... Et c'est tant jamais. T'as fait une sortie pornographique, faut que je fasse une sortie ah ouais. Gangbang donc... C'est ça. Psychotron, rejeton, on connaît. Ah tu l'aimes le psychotron hein. Ah je te jure. C'est pas comme si les mecs avaient disparu hein. Katoun Katoun, ouais c'est ça en plus. Et la petite rare, c'est l'Implorateur Funeste. Encore. On vient de l'avoir juste. On a l'impression d'avoir le même booster. Hein. C'est ça. Vous avez fait un replay en fait. Escroc. Voilà. 4. Même pas. Je m'embrouille. C'est parti. Hop. Ouf. Une rare. Il faudrait une petite épique là. Bah voilà. Tu reviens. Ah bah voilà. Ah, tu vois, je parle comme un livre. Ah alors. Celle-là elle est forte comme carte. Ouais, elle est forte, donc, ouais. Une belle stats. Ouais, une 5-7 pour 6, les stats sont pas mal. Provocation et cri de guerre donne +3/+3 à votre Katoun. Celle-là on l'a vu, celle-là on l'a vu. Détruit tous les. Elle est pas mal, celle-là aussi. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Une AOE pour le prêtre qui est pas mal. Et les piques, le marteau du creeper, tu l'as pas celle-là. Non, j'ai pas eu. Pour chaman, donc bon, elle est pas géniale. Une 4-5. Ouais. Voilà. Un vocal élémentaire 4-2. Pas de regret. J'ai ta maman. Je préfère le
Marteau du destin, clairement. Okay. Bon, ça fait de la poussière. Ouais, clairement. Oui, bien sûr. Allez. Une rare. Bon, je l'ai deux fois, je l'aime bien. C'est nul. Alors, invocateur sans visage est pas mal, ouais. Cri de guerre, ouais. Invoque un serviteur aléatoire coûtant 3. Voilà. En fait, on remplace le déchiqueteur en poussière, mais avec des stats solides. Ouais, hein. Tout à fait, ouais. Et le grouillant, alors ça. Alors, une 3-5 pour 3. Les stats sont vraiment correctes. Par contre, elle n'attaque que si vous, votre héros a attaqué. Donc pour un voleur ça peut être intéressant comme l'arme coûte enfin dure 2 tours. Après c'est un peu plus compliqué. Ça marcherait. Mais c'est quand même pas vilain parce que ouais. 3-5 pour 3 les stats sont quand même très après, bonnes. Après avec hein, une grosse arme hein, par exemple le chaman avec ouais le marteau du destin ça peut être bien aussi. Ah oui, hein. Oui, bah oui. Ou avec hurle-sang aussi. Hein. Ouais. Ouais. Ah ouais il y a quand même pas mal de classes qui ont des armes avec une bonne durabilité donc ça. Tout à fait. Alors, c'est bon. Attendez, je vérifie un truc. Ok. Alors, une. Pff, sérieux, j'ai que des boosters comme ça. Faiblesse. Ok, une carte d'arène, deux cartes d'arène. Ça, là, on l'a déjà vu. La chasse aussi. Une petite dorée, même pas. Oui, tu l'interdis. Alors, okay. Alors, celle-là, je l'ai. Déjà en 4 exemplaires, dont une dorée. Certaine attirance pour les poulpes, apparemment. Enfin, de toute façon, les tentacules, c'était le. C'est l'année du Kraken, hein? Non, mais sérieux! Bon, aïe aïe aïe, rien ne va plus! Ouais. Et le rejeton de Enzot, là, il me saoule. Ah, il y en a qui reviennent très très souvent. Chose hein. Bah, tu as vu avec. Elle reste en bas. Et 4. Ok, nous en sommes à 15 boosters pour l'instant. Voilà. Allez, légendaire, là. Allez, hop, nul. Celle-là, c'est ma deuxième cool. Celle-là, on l'a déjà vu. Gagne plus 1 d'attaque après que vous ayez invoqué un serviteur. Celle-là est pas mal. Elle est pas mal. Et la rare, chose venue d'en bas. Chose venue d'en bas. Putain, mec. C'est pas grave. Allez, maintenant, je veux quelque chose venu d'en haut. Ah, Ragnaros, il vient du haut, lui, non? Ouais, d'accord. Allez. Pas mal. Sécateur de la lame est pas mal. Hein. Bon, ouais, ouais, ça peut faire un croc zombie. Fusion primordiale. Confère plus 1 à chaque serviteur pour chacun de vos totems. Non, à un serviteur. À un serviteur pour chacun de vos totems. D'accord, ok, donc c'est nul. Pardon. Celle-là, on l'a déjà vu. Et la rare. On l'a déjà vu aussi. Ouais. Ouais. Mon nombre de. Horreur. Horreur, ouais. 4-1. On a combien? Ok, 17 boosters. On fait un point à la dizaine. Allez, une rare. Mais il est bien cette autre carte en plus, il est beau. Deux rares. Ah bah tu sais, hein, tu sais ce qui va te coûter le succès de je ne vidéo, veux hein. Pas mettre ton gnome contre. Non, non, je veux pas. Ombre mouvante. Copie ouais. Une carte du deck de votre adversaire et la place dans votre. Tu peux celle-ci. Ouais. Ouais, ça va, t'en as des deux. Hein. Alors celle-là, tu l'as 8 fois aussi. Ah oui, celle-là, j'en suis infesté. C'est serviteur Aldagonier à ajouter. C'est marrant. Elle est pas mal. Une petite combo avec le. Avec le lâcher des chiens peut être assez drôle. Bon, au moins, ça fait un booster différent pour une fois. Voilà. On en est à 18 boosters. Épique, enfin. Ah, bien. Et une rare. Ok. Ça casse la routine un peu. Celle-là, elle est bof, ouais. Ok, une Katoun. Alors je vous préviens d'abord, je dis Katoun, d'accord. Si c'est pas ça, vous voyez ça avec Oligas, d'accord. Parce qu'il m'engueule à chaque fois que je dis Katoun. Et apparemment, les US ils disent Katoun. Chose venue d'en bas. Bref, épique. Sérieux, hey, hey, c'est quoi bien, ce bordel. Non mais sérieux quoi. T'auras pas les crafter, attends, de quoi tu te fais. Ouais bah, genre les décrafter, ouais. Allez, et 20ème booster. Ouais. Oh, c'est une épique, c'est bien. Ouais, bah oui. Ça fait de la poussière. Ok, ouais. La merde. Ça, elle est pas mal. Rend 2 PV pour chaque. Ouais, c'est honnête. Pour chaque serviteur adverse, ça peut être drôle. Mais bon. Ok, tout ça, on a vu. Celle-là, pas mal aussi. C'est une Katoun toujours. Et la rare, évolution.
transforme vos serviteurs en serviteurs aléatoires qui coûtent un de plus. Vous mettez plein de totems, ça peut être drôle. Vous avez plein de créatures 3-3. À utiliser avec modération. Oui, bien sûr. ok, je le marque. 4-1. Et voilà, donc on fait un petit point. On fait un petit point. Voilà. 1860 boosters pour Raz et moi 1590 pour l'instant. Pas de commentaires. Je t'aurai. Allez, épique. Ah, t'as eu ta légendaire hein, sur tes 20 premiers. Donc c'est oui, bien. C'est vrai. Il m'en faudra une deuxième là. Booster de base. Ah, commune dorée, tiens. Alors, détruit. Non, découvre un serviteur et lui donne plus en plus 1, c'est pas mal. Provocation, accélérage, ça va. Tu l'as pas eu celle-là, je crois. Si. Ah, oui, si, un paquet de fois. Ah, oui. Corrompu, donc on connaît. Et l'apothicaire du culte, on l'a vu. Mais elle est en doré. Et une créature Katoon qu'on connaît déjà. Ouais. Alors, c'est la troisième. 3, une et une commune dorée. J'ai eu que deux cartes dorées quand même. C'est un peu moche. Hein. Je veux pas dire, mais. Ainsi va la vie. Ouais, c'est ça. Allez. Solide. Nul. Ah, Psychotron, hein. Psychotron, revient, ouais, hein. C'est ça. Vous défaussez une carte, vous piochez une carte. Ok. C'est un petit peu ta carte fétiche, le Psychotron, j'ai l'impression. Ouais, fétiche. Je ne changerai pas d'autres cartes. Je tiendrai bon. Je vais peut-être craquer, en fait. Alors, phase de poulpe, on l'a vu. Psychotron, encore. Psychotron, bien. Encore et toujours. Ensorceleur du culte, dégâts des sorts et Katoon, elle est pas mal. Ouais. Ok. C'est ta deuxième. Booster de chauffe, mais là ça commence à brûler. À force. J'ai presque envie de dire que les cartes sont cuites. Ah, épique. Ah, bien, ben voilà, tu vois. Ouais. Allez, te titiller un petit peu. Donc celle-là est excellente, on l'a déjà vu aussi. Une petite rare folie galopante. Et l'épique, l'ancien héros. Au début de votre tour, place un serviteur coûtant 10 cristals de mana dans votre main. De votre deck dans votre main. Voilà, passons. Elle est nulle, on est d'accord. Elle est clairement nulle. Et je pense que son effet dure hein, si elle reste sur le bord, donc ça peut être pas mal. Oui, ça te donne coup, plein de cartes avec 10. Pioche, ouais. Oui, mais faut avoir des créatures à 10 de mana. Royaume Roi, je pense. Ah. Bah, déjà, 4, c'est un D10. Oui, c'est vrai, mais bon. Alors, celle-là est excellente, on l'a déjà vu aussi. Et celle-là, donc, une de 2 pour 2, qui ajoute une carte aléatoire de la classe de votre adversaire. C'est pas mal. RNG style. Exactement. Ok. Je note les stats à chaque fois, hein, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Une. Deux rares. Kobold évolué, Berserker, Tauren, ok. Que des cartes corrompues. Immonde de Tauren. Ah, une dorée. Ouh. Elle est mignonne. Ah, il est beau en dorée. Et le loup contaminé, rase la 8 fois. Ouais. Donc une 3-3 pour 4. Et ça invoque deux araignées 1-1. Voilà, c'est la nouvelle rampante. Hein. Donc j'ai eu. Alors. 3, 1. Ok. Allez. Attends, on est à 26, hein, d'accord? J'ai eu qu'une légendaire. Légendaire, je suis bien. Bon, en fait, je suis dans les stats. Hein. Ouais, clairement. Je suis dans les stats pour l'instant parce que j'ai eu une légendaire et 4 épiques. Mmh. Pour 20. Non, mais c'est honnête. Ah, une autre épique, cool. Alors, ça, on connaît, c'est une carte d'arène. Ça, c'est Kobold, Merlock. Passeuse dame, on l'a déjà vu aussi. À chaque fois qu'un serviteur, ouais, donne plus. Ah, elle est pas mal, ça. Hein. Et l'épique. Parjure des ténèbres, remplace votre pouvoir héroïque et vos cartes de démon. Ah, oh, alors ça. Ouais, ça, c'est. Ouais. Alors, juste une petite précision pour cette carte-là. Si vous prenez les cartes du guerrier, vous avez le pouvoir du guerrier. C'est pas des cartes d'une classe et le pouvoir héroïque d'une autre classe. Voilà. Juste une précision. Ouais. C'est vraiment totalement RNG. Hein. Ça, j'aime pas du tout cette carte. Et...
Ok, allez, on continue. On fera un poids à 40 boosters cette fois-ci. Pour donner un peu plus de suspense. Enfin, suspense. Bref, hein. Nous avons déjà tout vu. Et la petite rare. Ah, pas mal. Ancienne porte-bouclier. Donc, c'est une 6-6 pour 7. Et crit de guerre, on gagne 10 points d'armure si Katoun a au moins 10 d'attaque. Ouais, c'est une très bonne carte pour le guerrier. Donc là, voilà, c'est un deck de merde, mais je suis quand même content de la carte. Combiné avec Bran, ça te fait 20 points d'armure sur le tour. Oh putain, ouais. Truc de ouf. Ok, deux rares. On a vu. Invocateur sans visage. Grouillant, on l'a déjà vu. Ouais. Et le régime, elle est pas mal ça, non? Oui, oui. Donc là, c'est, ouais, c'est 3-3 pour 3. Et quand on invoque un serviteur avec 1 PV, lui donne bouclier divin. On invoque un serviteur, donc le pouvoir du paladin, ça marche. Eh oui. On avait oublié d'en parler. Hein. Ah, c'est sûr. C'est oui, oui. Invoque. Donc. Ils ont trouvé le moyen de donner un bouclier divin au poulet furieux, c'est bien. Et ouais, ouais, non, c'est vrai. Donc ça fait 3 et 2 rares. Ok. Next. Mais c'est vrai qu'avec le pouvoir de héros du paladin, elle peut être pas mal cette carte. Ouais, ouais, ça te fait des écuyères pour le coup. Ouais. Ok. Vu, je crois, là, c'est une bête, ouais, inflige un point de dégâts, adversaire, aléatoire. Je crois que c'est la première. Je crois que c'est ma première, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ah ouais. Bon, elle est pas mal. Pas mal. Elle est pas vilaine, hein? Ouais. Et là, nous, l'archiviste, on l'a déjà vu. Ouais. Plusieurs fois. 4, 1. On continue. C'était la 30ème. 30ème booster. Je suis pas en avance. Comme d'hab, on a vu. Et la petite rare découvre une carte avec Râle d'Agonie. C'est pas mal, sachant qu'en général, t'auras quand même un choix qui est intéressant. Ouais. Oui. Le serviteur et Râle d'Agonie, sachant qu'on perd quand même beaucoup de Râle d'Agonie avec la suppression oui, de oui, bien sûr, mais ils en ont quand même incorporé des nouveaux qui sont. Ça on connaît. Et de rare. Ah, garde du bourbier, très bonne carte. Invoque une gelée de 2 ou confère un cristal de mana. Ouais, elle est vraiment pas mal. Ouais. Alors, celle-là, on l'a pas vue non plus. Donc, une 2-1 pour 1, Râle d'Agonie, confère bouclier divin à un serviteur allié aléatoire. C'est sympa. Mm-hmm. Je sens que le chevalier de sang. Le chevalier de sang va. Ouais. Ah oui, il va être sorti. Donc, ça fait 2 rares. Et ben, en fait, moi j'ai beaucoup de rares et j'ai rien d'autre. Toi, c'était l'inverse. Ok, c'est parti. Ah, une épique. Ah, pas mal. On a vu. La petite rare, on vient de la voir. Ah, c'est la deuxième. Ouais. Et l'épique, feu follet funeste. Pour 7, vous avez, voilà. 7 créatures, 1-1. 7-1-1, ouais. Et là, tu prends ton Dion, tu joues ça contre Grim Patron, t'es content, hein. Tu m'étonnes. C'est vrai, c'est... On n'en parle même pas, allez. 3, hop. Alors, ok, c'est parti. Légendaire. Oh, c'est trop tôt. Pff, ouais. Vu, putain, Psychotron. Ah, Psychotron, ah oui. La mascotte et la rare robot de soins corrompu, bonne carte bien. avec le prêtre, yep. Et prêtre Sokonaï, bien sûr. Ok, donc ça fait bonne stat, ouais. 6-6 pour 5, oui, en plus, oui. Alors 4-1, pardon, voilà. Sachant que dans l'absolu, c'est pas très grave de rendre des points de vie à un héros adverse, non, ça va. Ah, ben voilà. Chansus est parmi nous. Ouais, bah Chansus, il s'est caché. Hein. Allez, doré. Ah, quand même, un peu de tenue. L'épouvantueur, hein, quand il attaque un serviteur et le tue, gagne +2/+2. Mmh. Intéressant. Pourquoi je te crois pas quand tu dis ça? Bon, ça fait de la poussière.
c'est pas mal. Allez, j'ai eu ma légendaire, tout va bien. Faut pas trop en demander. Hein. Voilà, normalement, il y a une grosse période de disette hein, après une légendaire. Chut, chut. Ouais, bah merde, voilà. Vu. De rencontre démarrer et la rare maître de l'évolution transforme un serviteur allié en un serviteur aléatoire coûtant un cristal. Ça, c'est fort, je trouve. Ça peut être marrant, mais je cherche contre quoi, surtout en chercher en chaman s'il n'y avait pas des cartes qui, tu sais, qui donnaient un truc pénalisant en râle d'agonie. Mais un truc pénalisant en râle d'agonie, un chaman, comme ça, tu la changes, tu la transformes, mais... ouais. Non mais même, enfin je veux dire, tu en fais temps, un trade avec une créa qui est presque morte. Non mais je veux dire, voilà, tu ou une créa qui a une créa avec Krieger qui a fait son boulot. Oui voilà ouais. C'est ça, oui, aussi, c'est vrai. T'as raison. C'est fort, hein. 4-5 ouais. Pour 4, c'est un Yeti en plus. Donc, oui non c'est vrai, j'ai rien dit. Non c'est une bonne carte. Je la trouve très bonne ouais. C'est une bonne carte. Allez. Allez, je veux une légendaire. Je l'annonce, je l'ai. Allez, bref. Rien. Du classique au classique. Alors ça, non, ah, bien. Ouais, ouais, excellent, ouais. Donc là, cette carte gagne plus 5 PV si votre Katoon a au moins 10 d'attaque. Ok. Pour avoir une 4. Sana, Sana, c'est une bonne carte. Donc on est content du deck, même si ça donne pas de poussière. C'est pas grave. C'est à ce moment-là que t'as eu ta légendaire dorée. C'est sur ce deck là, t'as eu ta légendaire dorée. Le Ragnaros doré. Exactement. Ouais, bah oh. Moi j'aurais 3 rares. C'est bien. Hein. C'est pas pareil. Il y aura forcément une dorée. C'est pas possible autrement. Ah voilà. Voilà. Ok, bon, je pensais qu'il allait y avoir plein de dorés. Mais... Ah, manche secrète. Ah, super. Manche secrète. Alors, Magoul, on a vu ça, Alors, ça, c'est une carte guerrier pirate. Hein. Donc, guerrier pirate, ça va ressortir, je pense. Donc donne plus en plus 1 à votre arme si vous contrôlez un pirate. Et le manche secret est vraiment excellent. Enfin même si on va dire que le paladin secret va un peu disparaître. Parce qu'il perd quand même beaucoup de cartes intéressantes. Donc voilà, en fait c'est une 2-4 pour 4. Ça détruit tous les secrets adverses et donc gagne plus 1 plus 1 pour chaque secret détruit. C'est vraiment cheaté. Elle est vraiment bien comme carte. Alors ça me fait 1, 2 et 1. Bon ça vaut pas ta légendaire, mais ça fait un peu de poussière. On est à combien là? Ok, 38. Rare. Non. On l'a vu. On l'a vu. Ok. Et la rare. On vient de la voir. Tu viens de l'avoir en doré, ouais. Ouais. Et on va arriver au 40e booster. De toute façon, tu vas commencer à avoir pas mal de doublons à partir de là. Oui. C'est vrai que ça va aller beaucoup plus vite quand on va présenter, hein. Le début est toujours un peu plus long. Bon, de la merde. Alors, on a tout vu. On a tout vu. Alors, on fait un point sur les stats que je vous montre tout de suite. C'est affligeant. Je tiens à le préciser tout de suite. Voilà, comme vous le voyez, Raz à ce mob stade-là avait 5100 poussières et moi j'ai 3300. Voilà, il a une légendaire d'avance. Ça c'est fait. Ah, ça peut vite. 1800 poussières. Hein. Oui. Ah, je me méfie de toi. Hein. Après, hein, bien sûr, hein, je suis content que tu aies une bonne sortie. Hein. Je suis juste dégoûté de ne pas en avoir une super. Sachant que quand on avait fait la même chose pour le grand tournoi, je vous invite à aller voir la vidéo. J'avais gagné, je crois. Et Raz avait eu des légendaires de merde. Exact, ouais. Gueule d'acide notamment qui était. Deux fois. Deux fois. Donc voilà, il faut bien. Retournement de situation. Alors ça on n'est pas le prophète néo bien je crois. Au début non, de votre tour, réduit le coût en mana de cette carte de 1. Bon, donc on suppose que même si elle est dans notre main ça marche. Donc on peut sortir une 4-4 pour 0 assez rapidement. Ça peut être marrant. Et la petite rare, maître de l'évolution. Bien. Déjà vu. 4. Ok, allons-y. Sachant qu'en shaman, ça veut dire que tu peux transformer un Alakir, donc tu récupérais un T9 potentiellement. Donc ouais. T'es sûr d'avoir quelque chose de très gros. Ou une carte qui a fait un trade hein, déjà aussi. Ouais, bien sûr. Une épique. Tentacule, Medalap. La rare. Ancien porteur, deuxième fois je crois, hein. Ou troisième, ouais. Je sais plus. Mais... Et l'épique. Ouais. Allez, spé arme de merde.
Replace cette carte dans votre main en râle d'agonie. Ah, c'est pas mal, ça peut te faire une arme pour à l'infini. Pour ça, ouais, mais bon. Sérieux, non, c'est de la merde. Arrête. Non, je suis pas là. J'ai que des cartes de merde en épique. Voilà, c'est parti. Ah, dans un deck pirate qui booste tes armes, ça peut être quand même pas dégueulasse. Moi, il faut donner sa chance au produit. Ouais, c'est ça, ouais. Faites en commercial. Rage farouche en doré. Ouais. Je l'aime bien en plus. Et première fois que tu as la carte chaman là. Exactement, tu l'as eu plein de fois, mais. Donc voilà, ouais. Une 7-7 pour 4, pas mal. Avec surcharge de 2, ça reste correct. Hein. Ça peut vite être emmerdant à gérer, ouais. J'ai clairement. Eu. Ok, donc c'est 4. Non, 3, pardon. 1 et 1 doré. Allons-y. Oh là 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 là, le coquin. Oh le coquin. Allons-y. Ok. Oh le coquin. Le grizzly. Allez. Déjà. Légende. Putain. Mucla tyran du Val. Pas mal. Pas mal. Elle ça est va, pas mal. Ça va. Ça va. Ça va. J'ai vu pire. J'ai vu pire. On va pas se plaindre, c'est une légendaire. C'est ce qu'il faut se dire toujours. Allez. Allez, une de plus. Donc là, on en est à 3 légendaires pour moi. C'est ça, 3 légendaires pour l'instant. Ça va. Ah, t'es carrément dans les stats, hein. C'est même au-delà, hein, je pense. Attends, 3 légendaires pour combien de paquets? Pour 43. Bah déjà, en termes de légendaires, ouais, t'es largement dessus. Je suis pas mal, ouais. Attends, je vais juste faire ça parce que ça sera plus simple. Hop. Voilà. J'ai 7 épiques et 3 légendaires, donc je suis en retard sur les épiques, mais je suis en avance sur les légendaires. Ouais. Ce qui est pas plus mal. Oui. Ah, celle-là, alors, ça on a vu, on a vu. Alors ça là on l'avait pas encore vu, toi tu l'as eu beaucoup de fois, Raz. Ouais. Donc la lame de ralliement, je la trouve très bonne comme arme. Comme arme, c'est ça. Oui, donc voilà, une 3-2 pour 3, donc un peu plus cher que la hache, hein, de guerre, ouais. Mais par contre voilà, elle donne +1/+1 à tous les serviteurs avec provocation, avec bouclier divin. Sachant qu'il y a plein de cartes qui donnent bouclier divin au paladin maintenant, ça peut être bien sympa. Ouais. Oui, bah, je note. Pardon. Donc on était, c'est quoi? J'ai eu qu'une seule. Oui. Donc ça fait. C'est le rare. Ok. Donc, il reste encore 12 boosters à ouvrir. Et des vents, ah, on a pas vu celle-là. Confère +1/+1 un serviteur. Ouais, bon, allez, c'était pas forcément grave de pas l'avoir vu. Et infesté, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Alors, 4, 1. Allez, chansus. 2, ok, 2 rares. Pas mal. Ah merde. Lame de ralliement, mais voilà. T'as la infesté, on l'a déjà vu. Alors celle-là elle est pas mal, elle est marrante. Après, est-ce qu'elle va être utilisée, je sais pas. Mais c'est un pirate déjà, donc ça peut être intéressant. Surtout qu'il y a des pirates qui donnent +1/+1 à une arme, si on a déjà un pirate dans la main. Oui, donc oui. Cette combo peut être intéressante. Hein. Tour 1 on met ça, pièce, tour 3 on joue l'autre créature, donc on a une arme qui fait 2-4. Pour un tour 1, c'est quand même pas vilain, hein, clairement. Non, hein. elle est bien, allez, on va là, peut-être pas la dénigrer non plus. Mm-hmm. Donc non, elle est bien. Donc ça fait 3. Ok, c'est parti. On a. Thé de chardon. Alors, thé de chardon et nul, mais on va la me présenter quand même. Pour 6, vous piochez 2 cartes. Vous piochez une carte et ça copie 2. Ça en copie 2 supplémentaires dans votre main. C'est cher. C'est cher et. Ouais, c'est trop cher, je pense. C'est cher, ouais. T'es d'accord? Ah bien. Oh. C'est bien, le jeu se rattrape un peu. J'en suis si tu m'entends. On connaît. Alors c'est parti. Doré. Bon, on fait follet de merde. Mais je m'en fous, elle est dorée. Qu'est-ce qu'elle est moche cette carte. Et une épique. Cauchemar écailleux. Ah, j'ai pas vu celle-là. Non, c'est un dragon. Donc une 2-8 pour 6. Et au début de votre tour, double l'attaque de ses serviteurs.
Ouais. Ouais, j'aime pas. J'aime pas parce que ça peut se faire cabale. Et alors là, là tu pleures. Hein. Ah, clairement, clairement. Oh la vache. Ouais, ne pas jouer contre un prêtre. Alors, très beau deck. Donc ça fait 3 normales, une épique et une épique dorée. Ah, putain, un booster qui fait du bien. Ah, tu reviens, hein. Tu reviens. Je reviens, je reviens. Je vous montrerai ça à la fin, bien sûr. J'en suis encore loin, mais... Alors, on a vu. Et on a vu. Et la petite rare. On l'a déjà vu. Périple dans les abîmes. Les abîmes, pardon. Hop. Beaucoup de RNG chez le voleur, je trouve. Ouais. Ça avait commencé avec le grand tournoi et. Et ça continue, hein. Avec l'arsin et tout. Ouais, on exact. L'a tout vu. Et la rare, l'âme du ralliement. L'âme de ralliement, ouais. On la connaît. 4-1. Alors je dis toujours 4-1, c'est pour 4 communes et une. Une rare. Et une rare, voilà, comme je note dans un tableau Excel. Ah, une épique encore. Oh. Ok. La rare. Faire un rush sur le finish, là. Pas mal. Ouais, c'est fort. Et l'épique. Ah, bah tiens. L'horreur cyclopéenne. J'en avais eu deux, hein, celle-ci. Ouais, provocation, écrit. Provocation, donc ça va. Écrit de guerre, gagne plus 1 PV pour chaque serviteur adverse. Ouais, ouais. C'est, on va dire... avait comparé au maître Senjin un petit peu. C'est ça. Elle est pas mal, mais on va dire qu'elle est bien si le mec a beaucoup de serviteurs. Mais si le mec a beaucoup de serviteurs, il vous la détruit tout de suite. Parce qu'il aura sûrement plus de serviteurs avec plus de 1 d'attaque, donc elle sera détruite. Mais bon, ça va permettre de temporiser un tour. Mmh, c'est ça. On va résumer ça comme ça. Alors, 3. Voilà. Il me reste 5 boosters à ouvrir. Et après, j'en ouvrirai 3 de plus juste pour rester avoir un chiffre rond à 60. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu nous fais là, vas-y. Commune dorée. Ok. La rare. Aïe. Dorée. Si tu nous sors une dorée, je quitte la vidéo. Légendaire. Nat le sombre pêcheur. Ok, bien joué, Bazon. Au début de votre tour, votre adversaire a 50% de chance de piocher une carte supplémentaire. Mais c'est quoi ce troll, quoi? C'est quoi ce troll de... C'est mauvais. Je n'aime pas Death les cartes pour rien, mais celle-là, je crois qu'elle va partir. Ah oui, bah celle-là, il peut y partir. Alors, ça me fait deux communes, une rare. Oh, mais t'as fait tes 4 légendaires, toi aussi. Hein. Une légendaire, oui, et une commune dorée. Ok. Il reste 4 boosters. Trahi. On va faire 57 decks comme Razor. Est-ce qu'il va nous voler la game? XPK, pour ceux qui connaissent LOL, comprendront. Ok. Et une petite rare, Modlon Borreur, on la connaît. Allez. Bon, j'ai eu des légendaires, hein, mais elles sont vraiment pas bonnes. Hein. Non. Enfin, il y en a une surtout qui est très mauvaise, quoi. Ouais, le Nat est vraiment très très mauvais. Les autres, encore. On a tout vu. Ah, serviteur de Yogg-Saron. Lance un sort aléatoire coûtant au maximum 5 cristaux de mana, cible choisie au hasard. Ça c'est du grand n'importe quoi. C'est comme Yogg, hein, excuse-moi, mais cette carte est merdique. Enfin Yogg le joueur, hein. Mais Yogg-Saron, cette carte est merdique. Hein. Et deux derniers boosters. Pour le duel bien sûr. Ouais. Ouais, ok. Le capuchonné doré. Et la petite rare, le robot ne soit corrompu, on la connaît. Alors, je marque ça tout de suite. 3 communes, une rare et une commune dorée. Donc là, il me faudrait une légendaire dorée, je crois, pour pouvoir revenir. Ça serait cruel, hein. Chassus, si tu m'entends d'en haut, Malsor, si tu m'entends d'en bas, ramenez votre cul, là, j'ai besoin de vous. Ah, il n'y aura que dalle.
C'est dégueulasse. Ah, comme une dorée. Ça rattrape tout. Pas mal. Et une petite rare. Ok. Nous avons déjà tout vu. Alors, je marque ça et je vous montre tout de suite les stats. Ah, j'ai plus de communes que toi. 3, attendez, je note. 1 et 1. Voilà. Alors, les stats, messieurs, dames, elles sont là. Donc, battu après de couture, hein, 2000 poussières de plus. D'écart, voilà, ouais. C'est clair. Hein, donc, j'ai plus de communes, mais ça, c'est malheureusement pas génial. Il a eu plus de rares. Il a même eu plus de rares que moi, quoi. J'ai eu 10 épiques, dont une dorée. Il en avait 14, dont 2 dorées. J'ai eu 4 légendaires. Tu en as eu 4 aussi, mais t'as eu une dorée en plus. Une dorée, ouais. Et en termes de cartes dorées, tu en as eu 10 et j'en ai eu 9. Voilà. Donc, victoire de Raz. Voilà. Donc, j'ouvre mes 3 derniers pour rester à 60 quand même, hein, pour faire une vidéo à 60 boosters. Tu vois, c'est là que je vais tout exploser, quoi. Est-ce qu'avec ces 3 boosters supplémentaires, tu peux battre en... Je vais me noter de toute façon quoi qu'il se passe, parce que je note tout, hein, comme d'habitude. Ah là, il faudrait que du doré, là. Et une épique. Alors, étreinte. Étreindre l'ombre. Durant ce tour, vos effets de soins infligent des dégâts à la place. Ouf. Pas mal. Elle est pas mal, hein. Ouais, dans un deck prêtre OTK, ça peut être marrant, ouais. Ouais, et le prêtre, et avec le robot de soins corrompu aussi, hein. Ou pardon, désolé, vous avez pas vu. Voilà. Désolé. Donc voilà. Donc vous avez vu, c'est celle-là. Parce que j'avais laissé l'autre truc. Comme un con. Alors, donc ça me fait 3, 1, 1. Donc ouais, je renote tout. On verra après. Ok, deux rares. Psychotron, il en fallait encore un. Psychotron, ah, ça, non, là, si, on l'a vu déjà, non? Oui, on l'a déjà vu, ouais. Ouais. Mal. Et sympa. Et de rare, bon, l'ancien porte-bouki et le régisseur, on les connaît tous les deux. Oui. Donc ça fait 2-3. Et la dernière. Pour arriver à 60 boosters. Allez, 5 légendaires. Ouais, même pas une. Psychotron, bien sûr, hein. Ah bah évidemment, c'est la mascotte. Pour nous dire au revoir, hein, il fallait bien ça. Ah, tu sais quelle miniature tu pourras mettre sur la vidéo au moins. C'est ça. Et, par contre, j'ai la deuxième, ça je suis content. Ouais, ok. Bonne carte. Et bah voilà. Donc je vérifie que ça fait bien 60 boosters. Si je fais ça, il me reste bien 70 boosters pour la prochaine vidéo. Je regarde juste vite fait la collection. Combien 8000... de boosters, 800, pardon. 880, ouais. Et 890 pour moi, donc ouais, c'est ça, on est kiff. Mmh. Ouais. Ok, très bien. Et eh ben écoutez, merci à tous. Merci Raz. Pas de soucis, c'est avec plaisir. Bah voilà, donc victoire de Raz, hein, bravo, hein, je te félicite. Et on se retrouve très bientôt pour la suite, hein, parce qu'il y a encore 70 boosters à ouvrir, donc la vidéo arrivera dans quelques jours, je pense, pour vous. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt pour du contenu Hearthstone ou Minecraft ou Faeria. Faut pas que je parle de Minecraft avec Raz, hein, il supporte pas. Voilà. Donc voilà. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Ciao. Bye bye.